tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un épisode 2 sur donc le jeu Hogwarts Mystery. Vous avez été nombreux à m'en demander un. Mais avant du coup je vais revenir un petit peu sur les commentaires que vous m'avez laissés sur la première vidéo. Parce que ben du coup vous avez été nombreux à réagir à cette nouvelle application. Et donc il y a beaucoup de gens parmi eux qui se sont plaints que du coup le jeu on était bloqué assez rapidement parce qu'on n'avait pas d'énergie suffisante pour continuer l'aventure, qu'il fallait attendre des heures pour que la jauge d'énergie se remplisse. Moi personnellement, lors du premier épisode, j'étais pas arrivée à ce niveau du jeu, j'avais pas encore eu besoin trop d'utiliser l'énergie, tout ça. Du coup, ben c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et je vous donnerai mon ressenti à la fin de la vidéo. Donc la dernière fois, nous avions été au cours de sortilège pour apprendre le sortilège Lumos avec le professeur Flitwick. Ah oui, donc je suis désolée, j'ai un problème d'enregistrement du son avec l'application. Du coup, bah, il n'y aura pas de son, mais bon, c'est pas... Enfin, étant donné que je parle beaucoup par-dessus le jeu, c'est pas trop important. Et puis, ben, voilà, je pense pas que les personnages vont parler. La plupart du temps, les dialogues sont, bah, se retranscrits dans des petites boîtes de dialogue en dessous, donc voilà. Alors, voyons, continuons. Obtenir des récompenses en gagnant des étoiles en classe. Commencer, donc on a une heure pour le faire. Apprenez Lumos, ben ça, je l'avais fait, je comprends pas. Ça s'est pas enregistré? Non... Ah d'accord, j'ai que 24 énergies, d'accord, je commence à comprendre, ok. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc voilà, alors, j'avais eu 10 points avec le professeur Flitwick pour ma maison. Et donc, tu as un vrai don naturel, le cours de potion est le prochain. J'ai le pressentiment que ça ne va pas être facile avec Rogue. Ah oui, je me souviens, donc on avait terminé sur ça. Alors du coup, il faut se rendre... D'accord, il faut faire un remède contre les furoncles, donc il faut aller... Voyons, alors, attendez, je découvre un peu. Potion, c'est ici que vous trouverez toutes les leçons de magie que vous apprenez à Poudlard. Donc, je pense qu'on doit aller dans... Ah non, il faut aller dans magie. Alors, faites scintiller la pointe de la baguette. Récompense, 5 gemmes. Bah, ça, c'est ce que j'ai fait, non? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ça nous montre tous les sortilèges qu'on va pouvoir apprendre, etc. La potion contre les furoncles. Ok. Donc... remettre contre les furoncles et c'est parti. Alors on va voir Rogue. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Alors tiens, ce ne serait pas Rohan. Ah oui, et d'ailleurs j'ai lu sur des forums et tout que Rohan c'était la contraction de Rowling et Joanne. Donc ça c'est cool je trouve. C'est un bel hommage qu'ils ont fait à, ben, à JK si c'est vrai. Alors, dis-le. Non. Dit que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est les Serpentards, ils cherchent toujours les ennuis. C'est impossible, j'ai fait plein de listes des sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facettes. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibi, Madame Pomme Fraîche, les 7e années. Tu es juste une première année, comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Alors, on me propose de lui tenir tête ou de la distraire. Bah, je vais lui tenir tête... Vous remportez des points d'attributs. Il existe trois attributs, le courage, l'empathie et le savoir. Ne t'approche pas d'elle, donc d'accord, t'es qui toi au juste? C'est Nini, qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Flitwick a dit qu'elle lançait le meilleur Lumos de toutes les premières années. Nini, hein, mais oui, je sais qui tu es. Tu es Nini YouTube. Ton frère, alors, si vous entendez des ricanements à côté de moi, c'est Sirius Petmol qui est en train de se péter des barres. Mais oui, c'est Nini Huge. Eh oui, excuse-moi, Nini 9 3 quarts, ça marchait pas. J'ai mis un truc pour remplacer, ça va. C'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo. Donc, reprenons. Tu es Nini YouTube. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place chez Poufsouffle. Et toi, tu es qui? Merula Snide, une serpentard de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleure que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. Alors, donc on propose de la narguer, de la menacer ou de la raisonner. Je vais la narguer. Le niveau de votre attribut détermine vos amitiés. Tu as juste peur que je sois plus puissante que toi. On va savoir tout de suite qui est la plus puissante. Ouh. Ah, professeur Rogue, il va nous interrompre, c'est dommage. Alors, on m'appelle YouTube, du coup, par mon nom de famille. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue, la petite serpentard qui va lécher les bottes. Professeur Rogue,
Merula s'en prenait à mon ami professeur. Allez, en cours de potion, estimez-vous heureuse que je ne vous envoie pas en retenue. Alors, merci de m'avoir défendue, Nini. Je n'ai jamais été très forte, ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux chez Poufsouffle. Tu as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Allez, allons en salle de potion préparer un remède contre les furoncles. Alors, salle de potion... Donc, le professeur Rogue, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ceci est votre premier cours de potion et avoir le regard perplexe dans vos yeux, ce pourrait très bien être le dernier. Contrairement à vos autres cours, ici, ce n'est pas un endroit où ce n'est pas un endroit où faire aller votre baguette de manière ridicule et lancer un intolérable crissement d'incantations mal prononcées. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparerez un simple remède contre les furoncles. Sachez que je n'entends rien de moins que la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Alors, vous vous croyez si spécial, YouTube, mais vous êtes déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore-la, Nini. Après avoir été réprimandée par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Alors, voyons. Donc, il faut que je reparle à Rogue. Obtenez, donc c'est parti, on commence. Démonstration. Franchement, Rogue, il est bien fait. Hein. C'est rigolo ce qu'il y a un tout petit peu caricaturé. Mais non, c'est vraiment bien. Puis même les décors en arrière-plan de la salle de potion, ils sont extrêmement fidèles, j'aime bien. La leçon commence. Pour commencer à cocoter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Alors, voyons. Tout le monde prend des notes. Alors, voyons. Comprendre, ok. Par contre, la difficulté du jeu, elle est pas ouf, en fait. Il suffit juste de cliquer sur les personnages pour leur faire faire leurs actions. C'est pas terrible. L'ambiance et tout, c'est bien, mais... Franchement, si on veut vraiment, vous voulez vraiment, jouer à un jeu compliqué, c'est pas ça, quoi. C'est très répétitif et assez lassant. Au final, on a juste envie d'avancer dans le jeu pour voir un peu les animations et tout, mais sinon, à part ça... Ah oui, d'accord. À chaque fois qu'il y a un personnage en bleu, il faut cliquer dessus, j'avais pas compris. Bon, c'est pas terrible. On va prendre une gemme, allez. Je pense que c'est ça qui va être le plus utile, apparemment, d'après ce que j'ai lu. Ne me faites pas répéter, concentrez-vous. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas compris. Alors. Préparez-vous à terminer le remède contre les furoncles. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Préparez-vous à... Donc, alors, il faut que je clique sur les éléments entourés de bleu comme d'habitude. Boucher la fuite. Lire. Hop, on va reprendre une gemme. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Donc c'est parti, tracez la forme avec votre baguette, ok. Non, franchement, les animations elles sont sympas. Hein. 10 points de savoir. Bon voilà. C'est fait. Récupérer. YouTube n'est peut-être pas complètement incompétent après tout. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Félicitations Nini, dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attendez, que se passe-t-il? Avez-vous ajouté de la poudre de bulbonox? Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de bulbonox. Explosive? Bon bah voilà, fallait s'en douter. Toutes mes félicitations, vous avez guéri la table des furoncles. Vous n'aurez jamais dû être admis dans ma classe, YouTube. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Poufsouffle. Qu'avez-vous à dire en votre défense? Alors voyons.
Merula m'a saboté, je suis désolée, c'est de ta faute. Alors attendez. Certains choux nécessitent un certain niveau d'attribut. Le choix troisième nécessite courage niveau 2, mais vous n'êtes qu'à courage niveau 1. Ok. Bon, moi je vais dire que c'est la Serpentard qui a saboté ma potion. Parce qu'en plus, je m'en doutais. Gagner des points d'attribut, augmenter vos attributs. Donc bah voilà. Je pense que Merula Vipérine a mis quelque chose dans mon champ de roue. Assumez la responsabilité de votre incompétence, YouTube. Je le ferai, mais Merula nous a menacé, mon ami et moi, et elle a dit qu'elle s'assurerait que j'échoue le cours de potion. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce vrai, mademoiselle Snide? C'est absolument faux, professeur. YouTube est clairement aussi folle que son frère, et tout aussi déterminée à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Vipérine. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Merula. Je suis sûre que tu aurais fait perdre encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça ne fait que s'empirer, YouTube. Vous auriez dû savoir que revêtir votre chandron de poudre de bulbonox ferait exploser votre potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une, honte comme ton frère. Il y a quand même beaucoup de dialogue. Hein. C'est un peu... chiant. Un peu, ouais. Ça suffit, je n'en peux plus de vous aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison de Poufsouffle. Que se passera-t-il quand je retournerai à la salle commune de Poufsouffle? Alors, on récupère nos récompenses et on va passer au chapitre 3. Donc les ennuis commencent suite à votre rencontre avec la Serpentard Merula, Snide. Vous devez trouver un moyen de récupérer les points de maison que vous avez perdus. Ok. Donc, il faut aller voir Jeanne. Nous avons perdu des points de maison. Tu ne saurais pas pourquoi par hasard. Viens dans la salle commune, ordre du préfet. Donc c'est parti. Allons dans la salle commune des Poufsouffles. Ah, un Gryffondor qui vient me parler. Tu es Nini YouTube, pas vrai? Oui, et toi, tu es qui? Ben Cooper. Je suis en première année comme toi. Je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Merula Snide. Qui t'a parlé de ça? Je vous regardais de l'autre bout du couloir. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre et si elle me voit, ça me donne au moins une chance de m'enfuir. Elle n'a pas arrêté de me harceler dans le Poudlard Express, elle m'a menacée et m'a traitée de sang de bourbe. Je suis désolée, Ben, c'est horrible. Merula veut devenir la meilleure sorcière des premières années et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Je suis contente de voir quelqu'un lui tenir tête. Moi, je ne pourrais pas. On m'a fait la même blague à Gryffondor. Tout le monde a peur de quelque chose, Ben. Sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de moldus, alors tout ça est nouveau et effrayant pour moi. On dirait une caricature de Neuville. Qu'est-ce que tu ressens? Je viens d'une famille de sorciers et c'est difficile pour moi aussi. Je ferai de mon mieux pour t'aider, Ben. Merci, Nini. À une prochaine. Alors, allons à la salle commune de Poufsouffle voir Jeanne. Ah, salle commune de Poufsouffle, voyons. Tu as déjà fait perdre 10 points à Poufsouffle. On est en quatrième maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On est quatrième maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Voyons. Ah oui, d'accord. Ah oui, on peut voir nos rangs, on peut voir les points qu'on a fait gagner. Ok, c'est sympa ça. Nos rangs. Ici, vous pouvez suivre la compétition entre 4 maisons. À la fin de l'année, la maison ayant obtenu le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. Ok, voici Poufsouffle, vous êtes en 4ème position. Ok. J'ai changé un peu ma couleur de cheveux parce qu'elle était un peu trop claire. Alors, pardon, mais tu es qui? Pourquoi tu me parles des points de notre maison? Je suis ton préfet, Jeanne Cour. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans la maison et d'aider les premières années qui ont des problèmes. Vu ce qu'a fait ton frère à la réputation de Poufsouffle, j'aurais dû te garder à l'œil. Ben, on n'est pas très bien vu. Alors, ce n'est pas de ma faute, je suis désolée, je ne suis pas mon frère. Je veux dire que je ne suis pas mon frère. J'ai gagné des points d'empathie. Je sais que mon frère a enfreint le règlement et terni la réputation de Poufsouffle, mais je veux faire honneur à notre maison. On fait tous des erreurs, Nini, mais on ne fait pas tous des erreurs qui coûtent 10 points à Poufsouffle. Faut se calmer, hein, c'est 10 points. Non, mais quel qu'il en soit, le professeur Rock t'a déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. C'est chaud quand même. Pourquoi il ne me l'a pas envoyé? Probablement parce qu'il te méprise. Ah ouais, quand même. Rock déteste tout le monde, alors ne le prends pas personnellement. Mais lis cette lettre au plus vite. YouTube, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Un petit retournement de situation. Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes une irrécupérable incompétence.
Rapportez-moi un pot de limaces marinées de la réserve du cours de potions et j'envisagerai de restituer vos points perdus. Rogue. Donc, un pot de limaces marinées. Il y a des indications pour se rendre dans les réserves en bas de la page. Tu veux que je vienne avec toi, Nini? C'est la moindre des choses vu que tu m'as sauvée. Bah non. Moi je peux pas qu'elle vienne. Elle est chiante d'être toujours en train de me parler. Merci Rohan, mais je vais y aller seule. Bon, fais attention, je ne voudrais pas que Ron tue ma seule amie. Il propose de restituer les 10 points que tu as perdus. Va vite dans la réserve avant qu'il ne change d'avis. Donc allons dans la réserve, c'est parti. Alors comment on fait pour aller dans la réserve? Ok, donc couleur Est, c'est parti. Alors. Couloir, ramasser des limaces, c'est parti. Je ne vois rien du tout. La porte s'est refermée derrière moi et on dirait qu'elle est verrouillée. Je vais lancer le sortilège d'allumage de baguette pour y voir quelque chose. Hop, c'est parti. Los. Ah. Oula, je crois qu'on a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une plante mortelle appelée fil du diable. Des serpentards de 4e année me l'ont montré quand je suis arrivée. Elle craint la lumière. Tu es vraiment meilleur que moi au sortilège de l'image de baguette. Tu devrais pouvoir t'échapper. Mais Rula, c'est toi qui m'as enfermé là-dedans. En plus de t'avoir envoyé une fausse lettre de Rogue, je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi, YouTube. Putain, ta serpentard, c'est vraiment des... Franchement, un serpentard, ça tombe pas dans le panneau. Hein. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire Poudlard. Pourquoi pas un filet du diable? Oulô. Filet du diable, filet du diable. À l'ombre, au soleil vivace. Non, c'est quoi ça? Mais non. C'est positif. À l'ombre est vivace, mais au soleil grimace. C'est ça. Bon, tu peux me laisser jouer là. Mon personnage est en détresse. Il faut que je sorte d'ici. Mais Rula ne m'a pas menti, le filet du diable recule devant la lumière. Je vais le retenir avec Lumos pendant que j'appelle à l'aide. En fait, j'aurais dû emmener Rohan avec moi. Mince alors. Alors, donc j'ai 8 heures pour faire cette truc. J'ai entendu beaucoup de gens qui étaient bloqués à ce niveau-là parce qu'ils n'avaient pas assez de points d'énergie pour battre le filet du diable. Du coup, on va voir ce que ça donne. Alors. Ah oui, d'accord. Allez, d'accord. En fait, j'utilise déjà 12 énergies rien que pour enlever une liane de moi. Il m'en reste plus que 12. Il y a combien de lianes? Je sais pas. Oula, ma cape, elle est toute abîmée. Oh là là, elle m'a abîmé tout mon uniforme. Ah ouais, d'accord, bon ben... Hop. Je crois que le gameplay va s'arrêter ici. Voyons. Ah oui, d'accord, donc ouais, j'ai plus de points d'énergie, donc je peux plus avancer dans le jeu. Il m'en faut 5 et là j'en ai plus du tout pour retirer la liane qui est autour de mon cou. Du coup, bah ouais, je comprends un peu le problème que les gens ils ont eu. Donc voilà, je vais arrêter l'épisode ici et je pense que bah, à partir de maintenant, j'avancerai toute seule de mon côté parce que bah, s'il faut à chaque fois attendre qu'il y ait de l'énergie pour avancer dans les activités, bah, déjà ça va être impossible de filmer un gameplay tranquille. Et puis bah, voilà, j'ai pas envie non plus de faire tout le jeu en caméra parce que bah, c'est un peu contraignant quand même. Puis comme ça, bah, vous avez pu avoir un aperçu du jeu avec les deux premiers épisodes. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Où est-ce que vous en êtes dans le jeu, tout ça, les problèmes que vous rencontrez. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas pu télécharger l'application parce qu'elle n'est pas compatible avec votre téléphone. Ça, c'est vraiment dommage, mais je pense, enfin à mon avis, je pense que les développeurs feront une mise à jour pour que ce soit possible parce que ben, ils perdent quand même beaucoup, beaucoup de clients. Donc je pense qu'ils vont résoudre ce problème. Et ben donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.